Bonjour à toutes et à tous, donc cinquième vidéo de la journée. ça sera la dernière, parce qu'en fait, non pas que je m'ennuie avec vous, mais je vais essayer de regarder, bon déjà l'heure avance, et ensuite je vais essayer de regarder la fin de l'Agence, hein, le film avec Matt Damon, que j'essaie désespérément de voir, et ça fait deux fois que je m'endors parce que je le mets trop tard, hein, non pas qu'il soit pas bien, parce que franchement il est pas mal, mais voilà, je le regarde un peu trop tard. Donc en fait, une vidéo un peu spéciale où je vais quand même vous présenter deux films, mais c'est un peu, on va dire, une vidéo de mise au point. Après, entre 2 mois et demi et 3 mois, je ne sais pas exactement de création de chaîne, on va dire. Hein. J'aimerais faire une petite mise au point, en fait. Déjà, j'aimerais au tout départ un peu faire ce qui se fait, hein, c'est-à-dire faire une foire aux questions, quoi. Donc, concernant notre passion commune ou d'autres choses, hein, si vous en avez envie. Ça va, Maya? voilà, une fois aux questions. Ouais, mais faut pas me pousser trop quand même, Maya. T'exagères. T'es une filoute. Donc, une fois aux questions avec... avec des questions, ce serait pas mal. Mais pas que ce soit la foire, quoi. Donc n'hésitez pas, et ça me fera plaisir d'y répondre dans la mesure du possible, mais blindé de questions, hein, n'hésitez pas. J'ai 137 abonnés, je veux au moins 137 questions, voire 274. Vous avez vu comment je conduis? Donc l'heure est au bilan. L'heure est grave. J'ai présenté donc 27 volumes de ma collection, c'est pas rien. Il en reste quelques-uns. Goldie, ne panique pas, Valentin. Il y a encore des vidéos. Il restera une, parce que j'ai oublié complètement un carré qui est passé à côté avec une cinquantaine de films. Et puis il y aura des spéciales aussi, parce qu'en fait, j'en ai au moins 2 à 3 à faire sur ma collection Disney, et films d'animation autres que Disney. Et j'en ai une pour Danny Cinéroom à faire sur mes films français. Donc je disais donc que j'ai fait 27 volumes de ma collection. J'ai fait une dizaine de vidéos de vide-grenier et brocante, hein, en retour. J'ai fait 4 achats, 4 vidéos d'achat Disney. Une vidéo sur mes séries préférées, donc que j'ai fait d'ailleurs aujourd'hui, c'était sur Kingdom. Hein, excellente série, franchement, n'hésitez pas. Il y en aura d'autres à suivre. J'ai fait 2 critiques sur des films, hein, donc il y a eu Wonder Woman en premier et La Momie plus récemment. J'ai fait 30 vidéos d'achat, cash et autres. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait des vidéos sur mes stars, donc sur Hugh Grant, Tom Hanks, César, hein, de la planète des singes, pas l'empereur. Enfin si, c'est l'empereur des primates. Et Michael J. Fox. Et ensuite j'en ai fait une sur les armes du cinéma avec le Gladius. Donc en gros je vous ai énuméré tout ça pour savoir ce que vous aimeriez comme type de vidéo, enfin ce qui continue ou ce que vous n'avez plus envie. Bon, je vois bien par rapport au nombre de vues qu'il y a des trucs qui vous intéressent plus que d'autres. Je me rends compte que les achats vide-grenier c'est ce qui cartonne le plus, mais bon, après, bah forcément, il va plus en avoir tellement. Moi, c'est vraiment au printemps-été qu'il y en a dans ma région, sinon il n'y en a pas du tout. Et la prochaine à laquelle je vais, c'est celle d'une grande ville, qui a donc cette brocante-là, le 2 juillet. Mais après, franchement, c'est tout, quoi. Il n'y en a plus, quoi. Et ensuite, par rapport à mes choix aussi... je vais accentuer un peu plus mes achats Blu-ray par rapport à DVD pour tout simplement un problème de place. Je vais probablement continuer à acheter quelques DVD par-ci par-là. Et puis en fait, c'est un peu un truc de vase communicante. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des films soit que j'ai moins aimé ou qui ont moins d'importance pour moi et qui en fait disparaissent de ma pièce cinéma et sont remplacés par d'autres. Voilà, donc forcément de la place, je me débrouille toujours pour en avoir et il y a encore de la marge, franchement. Au niveau Blu-ray, j'ai encore de quoi ranger, je sais pas, 300-400 films sans problème. J'en ai pas loin de 1000, donc de Blu-ray, vous voyez, c'est vrai que c'est un format qui prend pas trop de place. Bon, bref. Donc, en gros, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. S'il y a un type de vidéo que vous aimez plus que d'autres, je sais que, par exemple, sur les armes du cinéma, je
pensé faire un truc intéressant, franchement. C'est peut-être une des vidéos qui m'a demandé le plus d'efforts. Et puis finalement, c'est pas une vidéo qui a tellement intéressé. Donc avant de me lancer dans une autre, ben, j'aimerais savoir si ça intéresse les gens, quoi. Parce que j'avais des trucs sympas à présenter, mais bon. C'est un peu, hein, c'est un peu une démocratie. C'est pas comme en France, en fait. Sur la chaîne Arius Movie, c'est vous qui décidez. Donc voilà. Je vais quand même vous présenter deux films pour ne pas déroger à la règle. Et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Alors en fait, c'est deux films que j'ai reçus d'une commande Amazon. Donc ça c'était le concert de J-Lo, hein, que j'avais trouvé, je crois, dans un cash à 50 centimes. J'aurais pas forcément mis beaucoup plus. Enfin, pas 50 centimes, ça devait être 1,50€, je dis des conneries. Voilà, je suis pas plus fan que ça, c'était juste pour une ou deux chansons qui étaient sympas. Et puis voilà, faut faire plaisir à tout le monde, ne pas penser qu'à soi. Donc j'ai commandé deux films que j'ai reçus. Donc le premier c'était Requiem for a Dream, un film avec Jennifer Connelly et Jared Leto. En fait, c'est un film qui est passé à côté pour moi, enfin dans ma filmo et dans ma visionnage de film. Hein. J'ai souvent vu cette affiche. Ça m'avait pas donné envie plus que ça, je savais pas trop de quoi ça parlait, j'ai jamais fait l'effort, jamais cherché, je me suis jamais renseigné. Et puis en fait, c'est un collègue en parlant de cinéma comme ça qui m'a parlé de ce film et qui m'a dit qu'il était génial. Et quand j'ai lu l'histoire et que j'ai regardé la bande-annonce, ça m'a donné super envie. Donc je vous lis le pitch hein, pour ceux qui connaissent pas ce film, mais beaucoup connaissent, je suppose. Donc, Sari Goldfarb vit seule. Elle nourrit l'espoir obsessionnel d'être un jour invitée à participer à son émission préférée. Harry, son fils, est un junkie. Il passe ses journées en compagnie de sa petite amie Marion et son copain Tyrone. Ensemble, ils s'inventent un paradis artificiel. En quête d'une vie meilleure, le trio est entraîné dans une spirale infernale, qui les enfonce toujours un peu plus dans l'angoisse et le désespoir. Donc, c'est un film vraiment apparemment bah, sur toutes les addictions, particulièrement à la drogue. Ça me fait forcément penser à Trainspotting, qui est un film que j'aime beaucoup, que j'ai vu à l'époque de sa sortie, avec des musiques cultissimes, et c'est un film, voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup, bien barré, bien, et un peu comme la drogue. Hein. Et donc Requiem for a Dream, ça me tente beaucoup, mais je vais attendre de le voir avec ma femme, parce que c'est un film qui va l'intéresser. Donc ça, c'était le premier film. Et ensuite, j'avais précommandé ce film, John Wick 2, donc en steelbook. Je ne vous ferai pas l'outrecuidance, je n'aurai pas l'insolence de présenter ce steelbook qui a été tellement bien présenté par Benoît de Passion Steelbook and Technology. Donc je n'ose pas, je n'ose pas. Donc franchement, un film, j'avais déjà le John Wick 1, pareil, en steelbook, et c'est un film que j'avais adoré, qui sortait un peu des sentiers battus, qui était un film d'action, mais différent des autres, un peu de tous ces derniers films qu'on avait vus. Et donc j'espère que le 2, que je n'ai pas encore vu, est dans la même mouvance, le même esprit, parce que franchement c'était très très réussi. Donc le steelbook de John Wick 2 est quand même un peu plus joli que celui du 1. Mais je vous dis, bon, le plus important, le contenant est important, mais le contenu l'est encore plus. Malheureusement, je sais que le petit Beagle qui est mort dans le premier, ben, sera pas là, donc j'espère qu'il y aura au moins, je crois que c'était un Amstaff ou un Canet Corso qu'il avait récupéré à la fin du premier. Donc voilà. Ce sera tout pour cette petite vidéo, cette dernière d'une longue série. Hein, j'ai passé avec vous en gros de 18h à 22h, facile quoi. Un truc comme ça. Donc n'oubliez pas la foire aux questions et puis aussi dites-moi ce que vous pensez de ma chaîne et des petites améliorations ou des choses qu'il y aurait à faire, des sujets à abandonner ou des sujets à continuer, des thèmes, etc. quoi. Tout ce qui vous passe par la tête. Voilà, je vous remercie encore déjà de votre soutien, on va dire, hein, et puis n'hésitez pas donc à laisser des commentaires, ça je l'ai déjà dit, donc déjà donc, premier truc. Arrêtez de se répéter. Et puis ensuite, ben voilà, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Allez, ciao!